Virginie, dépêche-toi, on sera jamais prêts. Écoute, c'est pas ma faute, c'est vrai, il n'a pas sonné. Oui, ben maintenant, Annette, elle va arriver. Calme-toi, c'est pas le pape qui arrive, c'est Annette. Je sais, mais écoute... C'est très bien comme elle est, hein, elle va faire sa tournée d'inspection, il faut que tout soit impeccable. Bon, écoute, calme-toi, elle arrive pas encore, elle arrive que dans une heure. Oui, et ben tu sais qu'avec tout ce qu'on a à faire, ça va être court, une heure. Oh non, dis-moi que c'est pas vrai. Non, ça doit être seulement le facteur. Oui, bon, bah, bouge pas, je vais ouvrir. Hein. Bon, je continue à préparer le petit déjeuner. Oh, Annette! Ma Juju! Je suis trop contente de te voir. Bah, moi aussi, hein. Mais je t'attendais pas si tôt, dis donc, hein. Ouais, je sais, j'ai pris un train plus tôt. Enfin, j'étais tellement pressée de vous voir. Bah, nous aussi, hein. Ça fait du bien de rentrer chez soi. Vous m'avez tellement manqué. Alors, comment va Barnabé? Eh ben écoute, il va bien. Enfin, je crois qu'un jour de plus et je le ligotais. Heureusement que mes parents sont arrivés. Hein. Alors, tes parents, comment ils vont tes parents? Ah oh, bah ils sont la super forme. Ah parents. Ouais. Ah bah tant mieux hein. Ah oh, bah oui. Ils sont les autres? Les autres, bah Roger là-haut, ah, et puis Virginie dans la cuisine. Ah, bon, eh ben, on y va. Qu'est-ce qu'on attend? C'est vrai, qu'est-ce qu'on attend, hein? Bonne question. Eh ben, alors, hein? Bon, on y va. Virginie, Annette et moi, nous arrivons, là. Tu trouves pas que tu cries un peu? Moi, je crie. Oui, je trouve, mais... Virginie, regarde qui est là. Annette! Comment ça va, Virginie? Très bien, t'as fait bon voyage? Oh ouais, super, je meurs de faim. Bon, qu'est-ce qu'il y a pour le petit déjeuner? Pour le petit déjeuner, eh ben écoute, tu vas t'asseoir. Oui. Et puis on va te servir. Ah, hein? Allez, c'est parti. C'est quoi ça? C'est le petit déjeuner, ça. Hein? Ne me dites pas que vous donnez ça à Monsieur Girard. Ben, si. Mais vous êtes folle ou quoi? Mais ça, non mais... Non mais je rêve. C'est même pas du beurre allégé, ça. Non, mais alors, par contre, on a... Oui. Et ça? Les toasts? Ben, les toasts... Qu'est-ce qu'ils ont, les toasts? Enfin, non mais... Monsieur Girard ne les aime pas, grillés, enfin. Ils sont trop grillés, vous tous, trop grillés. Oh, écoute, Annette, ça fait 2 semaines que Roger les mange grillés comme ça et qu'il ne dit rien. Oui, et ben alors ça, tu vois, c'est parce qu'il est poli. Oh, le pauvre. Ça a dû être terrible pour lui sans moi. Non, mais t'inquiète pas, Annette. Oh. Non, mais c'est vrai, ça. Je pars 2 semaines et c'est l'anarchie. Enfin, c'est pas grave, je sais ce qu'il me reste à faire. Oui, quoi? Ça. Eh ben, il va se régaler, hein. Bah, si vous voulez, vous pouvez en prendre, hein. Oui, alors non, merci, non. Non. Bon, bah alors, qu'est-ce qu'il fait, Monsieur Girard? Eh ben, je sais pas, il va pas tarder à descendre. Alors, donnez-moi des nouvelles de mon Jojo. Oh, il va très bien. Comment ça, il va très bien? Je lui ai pas manqué? Tu rigoles depuis hier, il tient pas en place. Non, mais ce que je veux savoir, c'est s'il a été sage. Comme une image. Bon, et à part ça, qu'est-ce qui s'est passé ici? Oh, attends. Virginie et Luc filent le parfait amour. Arrête, exagère. J'en étais sûre. Ah. Ça se voit dans tes yeux. Elle rougit. Mais attends, Isabelle a un esclave. Mais c'est qui? Jean-François. Ah oui, il lui est tombé dessus et le pauvre, il a complètement plongé. Il obéit au doigt et à l'œil. C'est un vrai chien-chien, sa mémère. Bon, c'est pas tout ça, mais qu'est-ce qu'il fait, Monsieur Girard? J'en sais rien. Ce qu'il fait, il va être froid. Bon, t'inquiète pas, je vais aller voir s'il est réveillé. Réveille-le, mais doucement. T'inquiète pas. Tu veux pas savoir comment je me suis fait du souci pour Monsieur Girard quand j'étais à Montélimar? J'arrêtais pas de penser à lui. Mais t'inquiète pas, il était en trop de bonnes mains avec nous. Ouais. Je sais pas dans quel état je vais le retrouver. Hein. Oh, écoute. Alors, il arrive? Non. Ah bon? T'as
Oser le réveiller, c'est vrai qu'il doit être beau quand il dort. Non, c'est pas ça. Figure-toi qu'il était pas dans son lit. Ah bon? On peut. Il doit être dans la salle de bain, tu veux que j'y aille? Non, c'est pas la peine. Non, écoute, il a pas dû dormir cette nuit parce que son lit n'était pas défait. Non mais qu'est-ce qu'elles font? On sait rien, calme-toi. Non mais je comprends pas, elle devrait être là depuis longtemps quand même. Mais qu'est-ce qui se passe, Joël? Calme. Mais non mais j'y peux rien, je suis excité, c'est tout. Bah oui, enfin ça... Ça on l'avait remarqué, ça va nous le dire. On voit depuis l'électrique aujourd'hui, hein. Non mais quand même, je comprends pas. Ça fait longtemps normalement qu'elle devrait arriver, elle est même pas venue me voir. Exagère. Je cherche pas, son train a dû avoir du retard et puis les filles doivent l'attendre. Je remarque, t'as raison. Peut-être que Virginie et Justine sont déjà en train de la mettre au courant des petits potins. Et ben alors là, on en a pour jusqu'à Noël. Hein. T'es pas prêt de la revoir. Ben, d'ici là, on a le temps de devenir des pros du flipper. Ben, moi, je tiendrai peut-être pas jusque-là, quand même. Joël, on la verra à midi, c'est pas grave, ok? Pourquoi? Il me fait de la peine, lui. L'amour, ça rend aveugle, mais je savais pas que ça rendait amnésique. Tu sais, on doit aller travailler quand même aujourd'hui. Tu te souviens de ce que ça veut dire travailler, Joël? Hein, Joël? Oui, oui, je te remercie. Un peu de mal. Salut. 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 Ça va? Ouais. Bah, qu'est-ce que tu veux? Non, rien. Mais t'es pas passé chercher Isa ce matin? Non. Oh, bah, à mon avis, son sac doit être très léger, tu vois. Non, elle ne vient pas au lycée. Oh, elle sèche? Oui, elle avait un truc à faire. Bon, bah, Joël, c'est pas tout, mais si on allait travailler. Ah, ouais. Allez. Dis-moi, Jérôme, si tu vois Annette, est-ce que tu peux l'embrasser pour moi? Ah, j'ai l'autorisation aujourd'hui? Oui, enfin bon, tu vas mollo. De toute façon, je vais pas tarder à y aller aussi, moi. Ok, bon, bah salut. Salut, plus tard. Non, tu veux jouer? Non, je te remercie. J'ai pas très envie. Bah, qu'est-ce qui t'arrive? Profites-en pour une fois qu'Isabelle est pas là. Tu peux pas comprendre. Puis en plus, j'ai jamais aimé les devinettes, alors... C'est pas grave, c'est pas très important. Comme tu veux, hein. Mais si jamais tu veux en parler, y a pas de problème, je suis là. Merci. Mais vous l'avez pas vu hier soir? Bah non. Et vous vous êtes pas inquiété? Mais non, parce qu'on est rentré tard, on est allé au cinéma. Et donc en fait, quand on est rentré, on a pensé qu'il dormait, on a pas voulu le réveiller. Et vous lui avez pas préparé à manger? Bah non, quand t'étais à Montélimar, il n'est pas tous les soirs à la maison. Ah bah d'accord. À peine je pars, voilà. Et dans son état, vous le laissez manger n'importe où? Non mais qu'est-ce que c'est que ça? Écoute Annette, c'est un grand garçon. Bah alors ça, c'est ce que vous pensez. Vous avez pas l'idée de l'endroit où il peut se trouver? Bah non. Mais tu sais, on lui a pas demandé tout son emploi du temps. Et bah, vous auriez mieux fait de lui demander. Non, mais je sais. J'aurais dû demander à Odile de le surveiller. Ben, je sais pas comment elle aurait pu faire. Déjà qu'elle avait du mal avec Joël. Comment ça? Mais vous m'aviez dit qu'il avait été sage comme une image. Mais oui, il a été sage. Mais enfin, tu vois, Annette, c'est pas très facile de suivre quelqu'un qui est en moto quand on est à pied. Ah bon? Odile, quand je lui demande quelque chose, eh ben, c'est fait. Voilà. Remarque. Je vois vraiment pas où il peut être. Surtout que c'est pas son habitude de découcher à Angers, hein, non? Non, mais alors ça, je suis vraiment d'accord avec toi. Non, c'est vrai que Monsieur Girard a découché, alors non. Ah, oh, bah je sais. Il a dû avoir un accident. Mais si j'étais pas partie, tout ça, ça serait pas arrivé. Oh, écoute, Annette, maintenant ça suffit, hein. D'abord, tu sais, on est aussi inquiète que toi. Oui, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ouais. Je sais pas moi, mais en tout cas, ça se voit vraiment pas que vous êtes inquiète. Oh. Ce qu'il faut faire, bah, c'est appeler la police, appeler les hôpitaux. La police? Non, c'est ça. Non, non, mais il a dû avoir un accident, c'est clair. Oui, enfin, c'est peut-être un peu tôt pour prévenir la police. Je vais appeler tout de suite. Monsieur Girard? Roger. Salut les filles. Bah vous n'êtes pas encore parti au lycée? Ça va, Monsieur Girard? Vous n'êtes pas blessé? Bah non. Bah,
Mais qu'est-ce que tu fais là, Annette? Bah, je suis rentrée. Oh là là, mais oui, c'est vrai, oh là là. Oh, j'avais complètement oublié que c'était aujourd'hui. Ah bah merci, ça fait plaisir. Oh, écoute, m'en veux pas, mais je suis très très fatigué. Hein. Oh, très fatigué. Et toi, tu vas bien? Ouais, enfin, c'est surtout à vous qu'il faudrait poser la question. Oh bah moi, je vais très bien, merci. Roger, on s'est fait du souci quand même. On était très inquiète. Oh, mais fallait pas. Comment ça, fallait pas? Oh, mais vous avez pas dormi ici? Vous nous avez même pas prévenus? Et vous voulez qu'on soit pas inquiète? Non, ça c'est vrai, Annette a raison. T'aurais pu penser à nous. Oui, non, mais je peux? Hein? Oui. Bon, merci. Bon, je suis vraiment désolé, mais le tournage a fini très tard. Alors, j'ai eu des problèmes avec une comédienne qui nous a donné du fil à retordre avec une scène d'amour, elle n'y arrivait pas. Alors j'étais obligé de superviser. Bon, puis après, j'ai pas eu la force de rentrer ici, alors j'ai dormi dans mon bureau là-bas. Oui, enfin, t'aurais quand même pu nous prévenir. J'ai pas vu l'heure passer, moi, hein. Puis ensuite, il était trop tard, moi, je voulais pas vous réveiller. Oui, bah, vous auriez pu appeler ce matin. Ah, mais attention, c'est ce que j'ai essayé de faire. Alors, figurez-vous que le téléphone sonnait sans arrêt occupé. Oh, et ça m'étonnerait parce qu'on a appelé personne. Oh, je te le dis, moi. Ah bah oui. Eh ben voilà, maintenant, ça n'étonne plus pourquoi ça sonnait toujours occupé, hein? Bon, d'accord, allez, mon petit Roger, t'es pardonné. J'espère bien. Mais excuse-nous, on a vraiment eu peur. Bon, ben, je crois que je vais dormir un peu, moi, parce que j'ai... du sommeil à rattraper, hein. Dors bien. Ouais. Bah, Annette, qu'est-ce que t'as? Rien, rien. Bon, les filles, on va y aller, parce que sinon on va être en retard, hein. C'est vraiment bizarre, l'amour. À quel dis-tu? Ce serait tellement plus simple si tout le monde pouvait s'aimer en même temps. Ah oui, c'est vrai. Ce serait tellement mieux. Mais c'est toujours la même chose. C'est tellement dur de se synchroniser. Ah oui, c'est vrai, ça. On n'aime pas toujours celui ou celle qui nous aime. Non, et on aime souvent celui ou celle qui ne nous aime pas. T'en es où avec ta lettre? T'as terminé? Ben, non. T'en es où? Non. Bah, j'en suis à... Virginie, chérie. Et après? Après, j'y arrive pas. L'amour me paralyse. Mais t'as qu'à mettre « je t'aime ». Ah oui. Ah oui, t'as raison, ce serait une bonne idée, ça. Alors, ça donnerait... Virginie, chérie, je t'aime. Je t'aime. Ça, c'est... Je trouve que c'est un excellent début de lettre d'amour. Ah ouais, merci, Odile. Je t'en prie. Tu sais, c'est ce que j'ai écrit à François. Ah ouais? Mais... Enfin, je lui ai jamais envoyé la lettre. J'ai pas osé. Ah oui, c'est... Mais c'est vrai que c'est un autre problème, ça. Parce que quand j'aurai fini d'écrire la lettre, il faudra que je l'envoie à Virginie et... Je sais pas si j'y arriverai. Hein. Écoute, ne fais pas comme moi. Accroche-toi. C'est vrai, t'as raison. Courage, Bernard. De toute façon, tu y arriveras. Salut. Salut. Bonjour. Les filles sont pas avec vous? Bah nous, on pensait qu'elles étaient avec vous déjà, mais... Ah non, on les a pas vues. Non. Pourvu qu'il soit rien arrivé à Virginie. Mais non, t'inquiète pas, Annette rentrait aujourd'hui, alors elles sont en retard, forcément. Tu crois? Bah oui. T'en fais une drôle de tête, Jean-François. Ça va pas? Oh, il y a quelque chose que je n'ai pas digéré. Ah, mais tu sais, t'as qu'à faire comme moi. Quand je me sens barbouillée, eh bien, je prends un verre de tisane. Ah oui? Salut! Ah, ben Virginie, te voilà. Salut. Ben, vous étiez passée? On t'expliquera plus tard, là, on est vraiment en retard. Mm-hmm. J'ai eu tellement peur, j'ai cru que t'avais eu un accident. Ça va, Annette? Ouais, bof. Ben, je croyais que tu serais contente de nous revoir. Non, mais je l'étais. Ben, pourquoi tu ne l'es plus? Ben, je vais t'expliquer. Ouais. C'est à cause de Monsieur Girard. Il découche. Mais Annette, t'exagères. Non. Roger a dû dormir au bureau et il est rentré ce matin. Bon, c'est vrai qu'on était un peu inquiète. Hein. Enfin, maintenant, tout est réglé. Mais vous ne vous rendez pas compte que...
Dans son état, il faut qu'il se couche tôt. Mais t'inquiète pas, Annette, écoute, quand on l'a quitté, je suis sûre qu'il est allé se coucher pour attraper sa nuit. Ben, j'espère, parce que sinon ça va barder. Hein. Oh, Jean-François, mais t'es pas avec Isa? Non, elle ne vient pas ce matin. Ah bon? Oui, elle avait autre chose à faire. Tiens, au fait, Joël t'embrasse, Annette. Oh, le pauvre! J'ai même pas eu le temps d'aller le voir ce matin. Ça, c'est à cause de Monsieur Girard. Il me donne tellement de soucis. Oh, c'est pas grave. J'irai le voir cet après-midi. Bon, on y va? Qui ça? Mais Monsieur Girard! Il était peut-être fatigué, faut le comprendre. Mais attends, moi aussi j'étais fatiguée, j'ai voyagé toute la nuit et c'est pas pour ça que j'étais distante. Mais t'inquiète pas, il va te faire des excuses dès ce soir. Ouais, mais moi j'étais tellement heureuse de le revoir. Bah et moi alors? Oui, mais toi c'est pas pareil. Ah bon, bah d'accord. Mais non, mais c'est pas ça, mais regarde, toi t'es venu me voir à Montélimar et puis tu te débrouilles très bien tout seul. Alors que Monsieur Girard, sans moi, il est perdu. Oui, bah d'après ce que m'ont dit les filles, il s'en est très bien tiré, Monsieur Girard. Ouais, mais tu peux pas comprendre. Bah si, justement, je comprends très bien. Je comprends que Monsieur Girard compte beaucoup plus pour toi que moi. Voilà, c'est tout. Mais non, mais qu'est-ce que tu vas imaginer? Mais c'est toi que j'aime. Mais bah ça, on dirait pas. Ben, ça va mieux. Oh, c'est beau, l'amour. Ça donne vraiment envie. Allez. Oh. On peut vous déranger, là, deux secondes? Vous voulez pas venir manger un hamburger avec nous? Ben, c'est-à-dire que pour le moment, j'ai pas vraiment envie. Dis plutôt que t'as plutôt envie de rester avec Joël. On va pas rien me cacher. Bon bah, à plus tard. Salut. Bien. Salut. Bonjour, François, arrête de traîner. Oh, là 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 là. Salut. Ah, mais le tétard à hublot est revenu. Eh bien, il y en a un qui doit être content. Il devait commencer à sentir le temps long. Odile, Bernard, venez vous asseoir avec nous. Prenez tout plus haut et allez. Merci. C'est gentil. Bon, regardez-moi bien. Comment vous me trouvez? Bah, comme d'habitude. Ah bon? Vous ne trouvez pas quelque chose de changé en moi? Pas vraiment. Vraiment? Vous ne me trouvez pas plus femme? Ben, c'est-à-dire que ça saute pas aux yeux. Vraiment, et vous, les garçons? Ben non. Non, non. Non, non. Pourtant, j'ai passé une nuit extraordinaire avec un homme, un vrai. Ah, et c'est quoi un vrai? Eh bien, un homme. Pas un gamin comme Bernard, Jean-François, ou toi, Joël. Ouais, un vieux, quoi. Là, 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 mon pauvre Joël. C'est fou ce que la jalousie peut te faire dire. On n'est pas vieux à 40 ans. Quoi? Un homme de 40 ans? Eh oui, ma petite Annette. Et c'est vraiment génial. Tu sais, entre nous, tu devrais essayer. Toi aussi, Odile. Ça vous décoincera un petit peu. Je te remercie, mais j'ai François. Vraiment, tu ne sais pas ce que tu rates. C'est vraiment extraordinaire. Bon, lui, ça faisait quelques mois qu'il me tournait autour. Et hier, il s'est enfin décidé à m'inviter à dîner. Alors j'ai accepté et on a passé toute la nuit ensemble. Ah là 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 là. C'était vraiment magique. Et tes parents? Oh! Eh bien, Jean-François était très bien. Il a téléphoné à mon père en imitant la voix de son père pour dire que je dormais chez eux. Oui. Vous ne pouvez
pas savoir comme je me sens heureuse. T'as bien dit que t'avais passé la nuit avec un homme de 40 ans, c'est ça? Oui, c'est ça, Annette. Et vous allez être tous très surpris d'apprendre de qui il s'agit. Qu'est-ce qu'il y a? Bah... Rien. Bah, Annette, ça va pas? Joël, bouge pas, je reviens. Enfin, peut-être. Mais quoi, Annette? Tu ne veux pas savoir de qui il s'agit? Je sais tout, monsieur Girard. C'est pas la peine de me mentir. Mais Annette, qu'est-ce qui t'arrive? Ah, d'accord. Ah, je vois. Vous mangez des sandwichs au camembert en cachette? Non, mais vous faites vraiment tout pour me décevoir. Mais enfin, Annette, qu'est-ce que tu racontes? C'est du camembert allégé, je te jure, hein. Je veux pas le savoir. Déjà ce matin, vous m'avez à peine regardé alors que je me faisais vraiment une joie de vous revoir. Oh, mais Annette, mais moi aussi, j'étais très content de te revoir. Seulement, tu sais, j'étais fatigué à cause de la nuit que j'avais passée. Bah tiens, parlons-en de la nuit que vous avez passée. Pourquoi vous m'avez menti? Mais... Pourquoi vous avez passé la nuit avec Isabelle? La nuit avec Isabelle? Mais oui! D'abord, vous vous découchez, et après, elle nous apprend qu'elle a passé la nuit avec un homme de 40 ans! Mais... enfin, Annette, te mets pas dans un état pareil! Ah non, monsieur Girard, là, vous me décevez, mais vous me décevez vraiment! Ah bah, Annette, t'es là? Ah, bah alors, où t'étais passée? On t'a cherché partout! Je veux rentrer dans les ordres. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne veux plus parler à personne. Mais qu'est-ce que vous faites là, vous? Vous deviez pas aller manger quelque part? Bah si, mais on est repassé par la cafette et Joël nous a dit que t'étais parti en courant, donc... Bah oui, alors pourquoi t'es parti comme ça? J'avais un problème à régler. C'est dommage. T'as raté le nouveau fiancé d'Isa. Oui, je sais. Ça te fait rire, Justine? Mais si tu savais qui c'est... Je sais qui c'est. Ah bon? C'est tout l'effet que ça vous fait. Oh non, mais si tu les avais vus ensemble... Comment ça, ensemble? Bah oui, il est venu la chercher à la cafétéria. Mmh. C'est le vieux beau, là. Celui qui joue John dans Amour toujours. Oh non, vraiment, ils avaient l'air complètement ridicules. Ça, là, attends, tu peux répéter? Hein? Bah oui, celui qui joue John dans Amour toujours. John dans Amour toujours? Monsieur Girard? Monsieur Girard?